Camara face à, pour ce match, lui qui s'était blessé. Et à cet instant précis, donc l'arbitre de cette partie, Mahrez Melki, qui lance ce match amical entre l'Algérie et le... Benacer, Zorgen qui lance en côté gauche, Besmaïli centre, et le portier Uzoho qui capte ce ballon. On revoit l'action de plus près. Ce centre qui peut manquer de Rami Benzema. Yann Carvia qui lance sur le côté gauche. Youssef Belaïli, l'enfant d'El Paya. Youssef Belaïli qui va entrer, qui va dribbler. Centré. Et ce sera le premier corner. Zeidou. Aujourd'hui, toujours présent. Heureusement pour l'équipe nationale, mais ballon récupéré rapidement par les joueurs du Nigeria sur le côté gauche. Moses qui donne le ballon à son partenaire, mais ce sera attention à ce centre au premier poteau. Moses qui frappe. Et la défense algérienne, attention au ballon et l'ouverture du score. Et cette équipe du Nigeria qui ouvre le score par l'intermédiaire du numéro 11, Terem Moffi, sur cette mésentente dans la défense algérienne. Il faudra se ressaisir du côté des Verts. On voit la joie des supporters et supportrices du Nigeria après cette ouverture du score. Reste du temps, on revoit cette action, beaucoup de laxisme à côté algérien sur cette action, ballon qui rebondit sur Mandi. Aïe, Mandi pris de court en tout cas par ce ballon, mauvais rebond et qui même Zerba ne s'y attendait pas en tout cas à ce rebond qui fait mal en tout cas à cette équipe algérienne qui encaisse ce premier but après face à cette coriace équipe du Nigeria. Évidemment que ce ne sera pas mission facile. Et par Slimani, Riyad Mahrez, et cette frappe qui passe à côté. L'arbitre a rapidement effectué. Riyad Mahrez qui va centrer. Et le gardien, ou plutôt retour au 2019 en demi-finale de la CAN. À la toute dernière minute de jeu, Riyad Mahrez le voilà. Superbe contrôle. Et malheureusement pour Riyad, la défense du Nigeria était là pour stopper. Ensuite, il y a eu un match amical. Là aussi remporté. Ballon récupéré par Riyad Mahrez, plutôt par un. Attention à cette action. On a failli. On va revoir l'action. Riyad Mahrez qui trouve le montant. Et cette frappe, heureusement, et Zerba qui se loupe, et à hors-jeu, heureusement pour Zerba, et Mandi, coupable de cette erreur. On va laisser le soir à notre ami Zekelini, et attention à cette perte de balle, grande dame des joueurs du Nigeria, ce qui avait faute, sans doute, sur Benzibaini, qui est à terre, qui se tord de douleur. On va revoir cette action de plus près. Zorgen pour Slimani qui trouve le poteau. Et Benzibaini qui ne cadre pas, mais qui est fauché dans la surface. Penalty. Sur ce qui décale sur la gauche pour Youssef Belaïli. Belaïli pour Benzibaini qui centre instantanément, et la défense Yayo Gra côté Nigeria, et là aussi Jamel Belmadi, voilà, figure dans la liste de Jamel Belmadi qui est sur le banc. Et attention deuxième poteau, alors qu'il est récupéré, heureusement que Lookman s'est troué et a raté son contrôle. Et à part la suite, complètement contre-attaque où on est pris à défaut. Tout bas.
dégage beaucoup de sérénité derrière. Alors que Benassal est, j'ai oublié de le mentionner, il est retourné sur la pelouse. Il n'y a pas eu de changement hein, comme cela avait été donné. Présent sur cette pelouse, attention à cette frappe d'Inacho. Heureusement que Zerba était là et qu'il y a, heureusement en tout cas, que Inacho n'a pas pu armer comme il se doit sa frappe. Et attention Mahrez de l'autre côté, Mahrez, Riyad Mahrez, Riyad Mahrez qui va frapper, qui va donner à Youssef Belaïli sur le côté gauche. Belaïli, Belaïli qui va obtenir le corner. Belaïli et le gardien. Attention, on va frapper. Non, on revient derrière. Attal, Attal frappe. Et but ! Superbe frappe et superbe but signé Youssef Attal. Oh mon Dieu, quel but ! Superbe frappe. Et je le disais, Attal frappe. Et c'est ce qui s'est produit avec ce deuxième but à l'heure de jeu. But qui offre pour l'instant la victoire au vert. Ah, quel but! Et il faut tenter sa frappe, il faut tenter sa chance. Et sa frappe qui frappe des 30 mètres quasiment, 30 ou 35 mètres. Et qui prend à défaut le gardien Usoho. Balle flottante, on revoit qui parvient à prendre à défaut, je le dis, c'est ce gardien. Oui, oh là là, superbe but. Superbe but. Et l'ambiance ici qui monte d'un cran.